Et il y a aussi des enfants ou pas? Non. On n'a pas de femme. Mais elle? Elle il fait les cuisinières, c'est tout. Ah, donc elle vient, elle fait la cuisine pour nous. Oui, c'est tout pour nous. On a ce plan, D50. Ouais. C'est combien de gens qui habitent ici? Ici, là. Ouais. On est 300 personnes. Mm-hmm. Moitié, il y a les papiers, moitié, pas les papiers. D'accord. Voilà. Et ça existe combien de temps ce bâtiment déjà? On est là pendant. Ntomori 96. Oui. Moi, de juin 96. Donc à peu près 10 ans. 10 ans, oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites pendant la journée? C'est quoi? Ça a l'air comment votre journée? Oui, je n'ai pas de boulot. Ouais. Tu as vu tout ce que sont là, les jeunes, on n'a pas de boulot, on n'a pas de papier, comment on va faire le travail? Ouais. Et lui, c'est un chien. Ça, c'est un chien? Ouais. Et maintenant, vous avez un travail ou pas? Ouais, moi? Travail, oui, j'ai oui, le 30 boulot. Ans maintenant. Et vous travaillez où? Je travaille à Onyx. Onyx, c'est quoi? C'est une société qui fait des bouillards pour la ville de Paris, la ville de campagne, à Paris et tout. Et vous avez beaucoup de difficultés de trouver le travail comme africain ici ou... Avant, il n'y a pas de difficulté, mais maintenant il y a des difficultés. Et avant, il n'avait pas de difficultés. Non. C'est vrai? Oui. Avant, quand mais il avant, vient quand ici. Quelles années Ça fait 40 ans. Il a 40 ans? Oui, avant, quand il vient ici, avec la carte d'identité, ça me fait travailler. Avec la carte d'identité malienne, vous trouvez un travail. Avec la carte d'identité malienne, vous trouvez un travail. On était colonisés par les Français. Oui, je sais. Alors on vient avec une carte d'identité, on travaille. Et pourquoi ça a changé? Pourquoi vous pensez que ça a parce changé? Parce qu'il applique la politique sur nous et il nous aide la carte chaque jour. Ouais. Sinon, moi, j'étais né avant l'indépendance. Ouais. Moi, j'étais né à l'état de colonisation française. Ouais. Alors, mais je n'ai pas l'indépendance en France. Ouais. Mais maintenant, il faut un papier pour voir ça. Ouais. Et maintenant, c'est comme j'avais dit la première fois. Pour la politique, on ne sait pas. On n'est pas là pour appliquer la politique. Nous, on est là uniquement pour travailler. C'est une chose qui est discrète pour nous, comment on peut aider la famille pour le vivre. Mais comme ça ici. Marche vraiment, vous pouvez lui aider un peu. C'est obligé. On est là pour ça. Si ce n'est pas ça, moi, je ne serai pas ici. Maintenant, travailler, ce n'est pas facile. Ben oui. Sans papier. Voilà. Mais moi, je demande un logement oui, ici. Voilà, en c'est ça. Donc, moi, je demande un logement, je travaille ici. Je demande un logement, je n'ai pas d'avoir un logement. Je ne sais pas pourquoi. Tout ça, c'est à cause de la politique. Oui. Voilà. Donc, vous habitez ici pendant 10 ans déjà? Oui. Ah, ici, oui, déjà. 96. Moi, le jeu, 96. Oui, ici, oui. C'est local. C'est vrai qu'ici, ce n'est pas un endroit habitable. Mmh. Eh bien, on est là quand même. Il y a des règles, ou je ne sais pas, il y a des règles intérieures, il y a des horaires intérieurs, je ne sais pas, le levage, je ne sais pas. C'est quoi l'organisation ici, de maison? On vit sur la solidarité. On vit ici sur la solidarité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire la solidarité. Sinon, c'est les gens qui ne travaillent pas, ils vivent avec nous. Avec un... Les gens qui ne sont pas la carte, on donne l'argent, ils prennent la carte du métro, pas qu'ils volent. Voilà. On est là pour avant qu'ils travaillent, avant qu'ils... Les immigrés, c'est quoi? Les immigrés, c'est rien. On est là pour travailler, vivre, nourrir la famille. C'est tout. Il veut de quoi les gens? Qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. On n'était pas été un président, on ne peut pas être un directeur, à rien. Sauf avec une fatigue qu'on gagne. C'est tout. Mais tout ça, maintenant, ils parlent que des immigrés. Les immigrés, c'est quoi? On est là pour vivre seulement. On n'est pas là pour la politique. On n'est pas là pour appliquer des choses. Voilà. Et regarde, tous les gens, ça c'est que les papiers. Ah oui. Normalement, tous les gens qui sont à la retraite, l'État français devait donner une carte. Et sans date. Oui, sans date, sans limite. Mais jusqu'à la mort, mais ne travaille pas. Si tu travailles pas, il ne faut pas qu'il donne une carte qui a date à permis. Si ta carte est permise en Afrique, tu ne peux plus venir ici. Il faut que tu donnes une carte qui n'est permise jamais, qui n'a pas la date. Si celui qui est malade là-bas, il peut venir pour se soigner. Sinon, il est à la retraite maintenant.
à votre avis à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si moi je suis à la traité, je demande ça. À l'État français. Ah oui, il faut demander. Moi, j'ai tout le monde, tous les Maliens, j'ai tous les Mauritaniens, tous les gens qui sont à la retraite ici, qui sont africains. Levez-vous, demandez votre besoin. Si vous ne demandez pas, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Non, demandez-le. Il dit oui, il dit non. On prendrait. Tout est à la retraite. Levez-vous. Donne la main, cherche la main. Il faut levez-vous. Il faut demander ce que votre besoin, ce qui ça vous concerne. Mais si on ne demande pas, on n'a rien. Solidarité avec les...